Voici notre ministre de la Justice, Bertrand Saint-Amand. Hey, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour venir appuyer mon ami, mon collègue Daniel Breton. Je voulais vous le vanter, mais je pense qu'après ce qu'on vient d'entendre, je pense que j'ai plus grand-chose à dire pour vous dire à quel point c'est un gars intense, c'est un gars vrai, c'est un gars entier, authentique, qui a le cœur à la bonne place. Puis, sans révéler de grands secrets de caucus, là, je peux-tu vous dire que Daniel Breton, quand il se lève au caucus, puis il est toujours pas mal à la même place, quand il se lève au caucus, il parle, il défend ses idées, puis il défend son monde de ce coin-ci de Montréal, il défend son monde de Sainte-Marie-Saint-Jacques avec conviction. Alors Daniel, moi je vais te dire, je suis très heureux ce soir d'être ici pour t'appuyer. On se connaissait pas il y a à peine deux ans, on se connaissait par le biais des médias, mais depuis 2 ans, j'ai appris à te connaître, puis j'ai découvert quelqu'un de particulièrement d'exceptionnel. Et dans le dossier, notamment, de la lutte contre l'homophobie, dans les dossiers liés à la communauté LGBT, des dossiers qui sont pour la plupart sous ma responsabilité, bien, j'ai découvert un allié, un complice, qui m'a appuyé dans tous ces dossiers constamment. Et je ne commencerai pas à faire l'énumération de tous ces dossiers-là, mais seulement le projet de loi 35 que j'ai fait adopter à l'Assemblée nationale, qui prévoit notamment une pleine reconnaissance, pleine et entière, des personnes trans, notamment pour permettre le changement de sexe, de la mention du sexe sans intervention chirurgicale, qu'on a fait adopter l'automne dernier. Bien, écoutez, oui, parce que c'est une grande réforme. C'est une grande réforme qui s'inscrit dans les grandes réformes que le Parti québécois a fait en ces matières. Qu'on pense en 1977, René Lévesque, Marc-André Bédard, l'ajout de l'orientation sexuelle dans la Charte québécoise des droits et libertés, qu'on se rappelle de l'Union libre avec Bernard Landry, avec Paul Bégin en 2002. Et ça, c'est un autre changement qu'on vient de faire au Parti québécois. Et Daniel a aussi été lui-même et son équipe. Quand je suis arrivé responsable de ce dossier-là, j'ai constitué une petite équipe de conseillers politiques, de la première ministre, conseiller politique des ministres, et j'avais demandé qu'on mette autour de la table les conseillers politiques de certaines circonscriptions plus particulièrement concernées, à savoir Sainte-Marie-Saint-Jacques, Taschereau, Hochelaga-Maisonneuve, et je salue Carl, je salue Pierre, qui ont participé à ces rencontres-là une fois par mois pour que les dossiers LGBT avancent au plan politique. Alors écoutez, j'arrête ici, je veux dire aux gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques, vous pouvez faire confiance à Daniel Breton. Puis ceux qui avaient des doutes dans cette salle, là, vous l'avez entendu, c'est effectivement le gars qui brasse le cocotier. Puis si, les cocotiers. Puis effectivement, effectivement, à Québec, c'est le gars qui défend les intérêts de son monde. Vous ne pouvez pas avoir meilleur défenseur de vos intérêts, j'en suis profondément convaincu. Et je dis alors ça, c'est pour les gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Pour les militants du Parti québécois de Sainte-Marie-Saint-Jacques, il reste 4 jours, 5 avec le jour de scrutin. C'est important de ne pas lâcher, de continuer. Je pense qu'on va l'avoir dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut aller chercher chaque vote. Donner un petit coup, on est tous fatigués. Hein? On se promène, il y a plusieurs candidates dans la salle. On se promène aux quatre coins du Québec. On a hâte que ça finisse. Mais je vous demande de donner un dernier coup de barre, parce que je ne peux pas croire qu'on va revenir, effectivement, après 18 mois, aux années libérales. Ça n'a aucun bon sens qu'on revienne à ces années-là, écoutez, là, qui nous ont endettés comme avec un endettement record, qui ne contrôlaient pas les dépenses. Ai-je besoin de vous parler de tous ces scandales qu'on a entendus au fil des ans? Je ne peux pas croire un instant qu'on va revenir aux années libérales. Alors, d'où l'importance d'avoir un maximum de députés du Parti québécois, en commençant, bien sûr, ici par Sainte-Marie-Saint-Jacques et avec Daniel Breton, qui est un défenseur extraordinaire des intérêts. Et oui, et j'allais effectivement ajouter aussi, pourquoi pas continuer un peu plus vers le nord et aller chercher le comté de Mercier avec Sylvie. Parce que, j'en ai presque des frissons, Sylvie. Il me semble d'entendre lundi soir là, à Radio-Canada où Pierre Bruno dire dans Mercier, Sylvie Legault, élue! Ouais! Je pense que les applaudissements qu'on vient d'entendre, on les entendrait à la grandeur du Québec, dans les résidences, dans toutes les résidences aux quatre coins du Québec. Et Daniel, ben écoute,
Bonne chance pour lundi. J'ai hâte qu'on continue à travailler ensemble. On a fait effectivement, tu l'as dit pour Sainte-Marie-Saint-Jacques, tu l'as effleuré pour tout ce qu'on a fait pour le Québec, mais c'est incroyable. Non, t'as raison. Non, non au nucléaire, non à l'amiante. Écoutez, là, on met fin au mini-central et j'en passe en matière d'environnement. On a fait beaucoup en 18 mois. Imaginez 5 ans. Salut!